Salut à toutes et à tous, et à ringraziabili de segunoi et cu idi du lidi su Gorsiga prima. Da due anni a sei anni di Brigio in ubrugi su di l'otto persone accusate d'aggressione nanta mamma e a viola arcadu in boniva di uno 2018, condanne assai più basse che quelle umandate da un ministero pubblico, uno dell'accusato di un stato condannato. E poi, in fin di giornale, biremo la strada di Eualeare per l'apertura della 24esima edizione di Yoga e l'Isole, 4 giorni di competizione, 700 sportivi di 12 isole sfarente, faremo punto con la delegazione corsa non so partenza per Palma de Mallorca. Ma non si sviluppa si di questa informazione, la collettività di Gorsiga torna condannata a pagare un'ammenda a Gorsiga Ferise, si tratta questa orta di più di 5 milioni di euro in un quadro di delegazione di servizio pubblico tra Gorsiga e Continente di 2014 e 2023 di una decisione di corte amministrativa d'appello di Marseille, casca questa decisione dopo aver ricordato l'86 milioni di euro già pagati a compagnia gialla qualche mese fa, stiamo assente a reazione di un presidente l'esecutivo Gilles Simeoni. Prima faccio rimarcare che continuiamo a pagare una lascita pisiva, 86 milioni d'euro per la periodo di mandatura detta Ange Santini, costi a DSP di tempo di presidente Jacobi, facciano 5 milioni in più. So che ciò la sapeva che nel suo progetto, su Corsica Ferris, ha domandato sino a 90 milioni, 50 milioni all'ultimo, dunque 50 milioni domandati, 5 milioni a pagare, sono soldi importanti, ma di meno che ciò che noi risicavamo. E ti avevano ricorso o ciò di pagarli? Penso che mi discutano con l'avvocato e mi riflettono di qualche giorno bene. La decisione è cascata tardi nella nottata. La Corte d'Assise di Ajaccio ha condannato 7 persone in Antalotto accusate di rubeccio, di brua d'omicidio e di forzatura in Antalduione di Avami Arcadio in Bonivazio, ma secondo anni che vanno da 2 anni a 6 anni di prigione sono più basse assai che quelle mandate da un ministero pubblico. Florence Antomarchi e Jean-Philippe Mattei nous racontent comment le jugement a été perçu. L'attente a été longue au palais de justice. Plus de 12 heures de délibéré nécessaires pour établir une vérité dans ce dossier où la noblesse et le mensonge ont joué un pénible pas de deux. Au verdict, 7 des 8 accusés sont reconnus coupables. Extorsion de fonds en bande organisée avec armes. Pour l'un d'entre eux, Vasil Vazoyanou, prostré durant les 2 semaines d'audience, la tentative de viol et la complicité de tentative de meurtre sont actées. 16 ans de détention contre les 24 requis. J'ai été entendu sur le quantum. Quel que soit le chemin qui amène à une peine, ce que je vois, c'est le quantum. Finalement, le quantum est dans une fourchette haute, certes, mais une fourchette compréhensible, acceptable, j'allais dire. La défense avait demandé des requalifications d'infraction, elle n'a pas été suivie. L'avocat général invoquant les razzias barbaresques avait requis des peines de 13 à 24 ans. Au verdict, elles sont de 5 à 8 années en moins. Il fallait une condamnation. Celle-ci peut paraître peut-être clémente pour certains, dure pour d'autres. Moi, elle me paraît, ce soir en tout cas, une décision mesurée par rapport aux réquisitions qui étaient bien au-delà de ce que on pouvait imaginer. Et puis un accusé, Filippo Pisanu, le voisin des victimes, sort comme il était entré libre et acquitté de tout. Son sourire était le seul de la soirée. Les avocates des parties civiles veulent retenir l'essentiel. Les accusés ont été reconnus coupables de l'intégralité des faits qui ont été dénoncés par nos clients. Et en tout cas, des faits de tentative de meurtre et tentative de viol. Madame Maureen Arcadu et Madame Chantal Arcadu ont été reconnues en leur qualité de victimes. Et rien que pour cela, nous sommes satisfaits. Les victimes, figures de souffrance et de courage, ont quitté le palais après 12 jours de présence assidue, sans commentaire, juste épuisées de cette recherche de la vérité judiciaire qui ne colle pas tout à fait avec la leur. Giustizia sempre, queste 4 audizioni che si sciogliono da questa mano al campo militare di Uorgo, 4 minori convocati per degradazione non la gendarmeria dell'isola, dirà durante l'affare Ivan Colonna, le rimproverato fra altro da un bruciato bandiere francese, l'audizione si continua di Anuberaua. E per compiere questa pagina giustizia, da sapere che il collettivo antimafia Massimo Susini si è spiazzato in Sicilia 2 giorni fa una visita per commemorare i 30 anni dell'assassino di Luigi Falcone, figura antimafia in un mondo sano, tombo a sapere da Cosa Nostra. Puoi dare droit all'interno del nostro sito internet un'intervista di Jean Toussaint Plasenzo, ti va da Audrey Altimar.
E in politica, ed eseguita de risera nostra tradizione speciale consacrata au primo circondo a Cismonte, e in su giornale oggi femmo un punto un'antauna di problematiche maio in su regione i trasporti, chi diventa per il porto di Vasti, allora che l'aeroporto di Boretta si sviluppa di più in più, riporto di Polsalor e l'Orapoli. Incluso porto e aeroporto, Bastia è l'intratta maio di Agosia. Porretta è oggi il primo aeroporto di l'isola per il traffico internazionale. Per il 2022, 1.650.000 passeggeri ci due anni passati, un cifro mai visto. Di petto a sa crescita di frequentazioni, la Camera di Commercio e d'Industria, che gestisce il logo, ha fatto un lavoro importante. Aujourd'hui, nous avons, on dira, étendu les salles d'embarquement avec une capacité supplémentaire, comme vous pouvez le constater, à l'étage donc, de 1000 m², donc soit une capacité de 800 passagers supplémentaires. Nous avons aussi augmenté le nombre de portes d'embarquement. Nous avons également augmenté le nombre de places offertes au niveau des parkings. Eppure Bastia è una destinazione favorita dei turisti. Indrento all'aerogara soppareti a scegliere ad altri rudioni di Gorsica paesò vacanzi. On va louer une voiture et puis on va rester jusqu'à samedi pour visiter la Corse. C'est le seul vol que l'on trouve. À Calvi, il n'y a plus de vol de chez nous par rapport au sud-ouest, donc c'est compliqué. Donc on a Bastia. In una rete di 48 linee assicurate da 13 compagnie, Bastia Porretta continua di uso sviluppo. La strategia è oramai da lunga stagione. Avant, on travaillait sur juillet, août, voire septembre. Désormais, on travaille de avril à octobre, voire en étant donc la saison de avril à décembre. C'est ça l'objectif. L'altra infrastruttura maio di a prima circoscrizione di Ucismonti di uso porto Igumercio. Ad unisce da paredo a meida di traffico marittimo isolano, ma il porto è pericoloso. Di gennaio di 2021, qualche giorno dopo l'accidente di un battello di Gorsica Linea, i professionali aspettavano decisioni d'urgenza. Il faut trouver surtout des solutions sur du très court terme. Voilà. Parce qu'on n'attendra pas 10 ans, et en 10 ans, on risque de multiplier les risques d'accident pour les infrastructures, pour les gens qui y travaillent et pour les navires. Dopo 20 anni, il progetto d'un porto nuovo a mezzogiorno di città si invita in un dibattito politico a ogni elezione. I candidati ai legislativi tavarani forse anche di ad auso pare. E stasera, per vedere il dibattito dei candidati in un primo circondo a Cismonte, saranno usati a contrastare in corso di Renault e Ride in città delle Uastia, un dibattito approntato da Laurent Vincenzini e Pier Simon Poli, a ridroa dunque stasera non tabi a stile. E ora, franchiamo il mare, andiamo in Eolear, in Palma de Mallorca, più precisamente in due delegazioni corsa e scalata stamane, dove ride Nanta Seviure per la 24esima edizione di Yoga e l'Isole, a prima da poi due anni. Fate fine, sono 700 giovani sportivi di 12 isole sfarenti che sono aspettati per 4 giorni di competizione. Allora, come la delegazione corsa si è preparata? Réponse dans ce reportage de Xavier Pierre-Louise e Jacques Paul Stéphane. Le personnel administratif est à la tâche, les travaux ne manquent pas de thème. D'un côté, on a la délégation Corse à préparer, à organiser effectivement le déplacement de la délégation à travers notre charter et s'assurer qu'arrivé au Balear, tout le monde soit bien logé. Et puis le côté sportif, vérifier que chacun soit bien inscrit avec le numéro de licence, les dates de naissance, les noms précis, sans erreur, pour pas qu'ensuite on ait des problèmes à l'accréditation. Et ce n'est pas tout. Transport, hébergement, équipement sportif, communication, tout est donc revu et corrigé si nécessaire. Un rituel depuis 24 ans. L'aventure Je désire a commencé ici, dans les locaux du Comité Régional Olympique et Sportif de Corse. C'est ici que l'aventure continue. Là maintenant, nous fêtons quand même les 24e Jeux. L'an prochain, ça sera les 25e. Malheureusement, avec deux années de retard, puisque l'effet Covid a fait que les deux années 20 et 21 ont été catastrophiques, si j'ose ainsi m'exprimer. Après deux ans d'abstinence liée à la crise pandémique de Covid-19, les Jeux des îles reviennent sur le devant de la scène. Palma de Mallorca, la capitale des Baléares, s'est portée candidate à son organisation, et ce, pour la quatrième fois de son histoire. Avec beaucoup de volonté et de réussir, et de mettre la jeunesse et le sport insulaire au centre du jeu. N'oublions pas que si l'on regarde bien l'ensemble des équipes internationales et en particulier en France, si l'on regarde le nombre d'athlètes
issu de l'insularité et qui a un niveau, eh bien, c'est grâce à nos îles. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ainsi, durant 4 jours, 700 athlètes de 12 à 17 ans représentant 12 îles et 8 nations seront présents pour vivre l'exaltation d'une vraie compétition internationale. Pas moins d'une douzaine de disciplines figurent au programme. Un grand moment de sport, mais aussi de fêtes et de rencontres. La jeunesse sportive européenne n'attendait que ça. E bine, parlava Moerisera, o vilmetto de Gorin Matei, in anta o 5 di maggio, è stato diffusato ieri al Festival di Cannes, l'occasione per la realizzatrice di farlo scoprire a un altro pubblico. Pascal Pommier e Tiffany Ortiz-Verea étaient pour nous sur la croisette. Regardez. Foulé les pavés du Festival de Cannes, Corinne Matei en a rêvé comme comédienne, mais aujourd'hui c'est en réalisatrice qu'elle vit cet instant. L'émotion est intense, son court-métrage 5 mai 92 traverse la mer. J'ai hâte que les professionnels découvrent le film et d'avoir le retour et j'espère qu'il sera à la hauteur de l'accueil qu'on a eu en Corse. Deux des acteurs principaux du film partagent le casting de cette journée marathon. Cannes, bien sûr, pour eux aussi, c'est le Graal. Le moment est particulier à bien des égards. Quoi de mieux que le Festival international de Cannes pour que justement ça soit ce drame national sportif qui est le plus grand en France aille aussi au-delà des frontières du pays et rayonne à l'international pour que ça se reproduise plus tout simplement. On est très content d'être là pour représenter le film et de pouvoir faire beaucoup de rencontres pour en parler, pour que le film s'exporte. On souhaiterait vraiment qu'il soit diffusé et en tant qu'actrice, bien évidemment, Cannes, c'est un rêve, on est très heureux d'être là. Leur film n'a pas laissé les professionnels indifférents. L'accueil reçu peut leur laisser présager un avenir sur la scène internationale. Je tenais à vous dire que le film est magique. Oh, ça me touche. Vous avez compris à quel point c'est important pour moi. Donc... C'est très bien fait, c'est très bien dit, c'est très bien raconté, juste ce qu'il faut. J'avais toujours la même émotion et d'autant plus qu'aujourd'hui encore plus forte parce qu'elle avait dépassé notre île, elle était partie un peu plus loin et donc voilà, c'était beaucoup d'émotion de voir un public qui recevait ce film pour la première fois. Écoutez la fin de ce journal. Stasera, intanto, l'élection législative sera Robin de Mar, candidato à France Insoumise, in primo circondo, à Poumont. Intanto, bon appétit. Et nous, je retrouverai Stasera, non t'abia stile.